Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un beau gros maquillage. C'est un look tapis rouge. J'ai décidé de prendre aucune star en particulier aujourd'hui. Je voulais juste faire un look vraiment que n'importe quelle star aurait pu ou a déjà porté. En même temps, dans mes dernières vidéos, vous m'avez toutes dit que vous aimiez beaucoup le maquillage de Emma Watson dans la pub Trésor Midnight Rose, le parfum de Lancôme. Donc c'est un maquillage parfait pour l'hiver qui est vraiment dans les tons violacés. Donc c'est sûr que c'est un petit peu inspiré de ça. Et il y a aussi une autre photo que j'aimais bien de Felicity Jones ici, super glamour, super chic, très temps des fêtes. J'ai essayé le look sur moi puis je trouvais pas que ça m'allait si bien les lèvres rouge glossy. Par contre, si ça vous trouvez que c'est trop, vous pouvez toujours substituer par un rouge à lèvres rouge ou même encore si vous êtes plus discrète, un rouge à lèvres rose pâle. Donc c'est vraiment un look idéal pour automne-hiver ce que je vous ai fait en ce moment parce que la lèvre bordeaux, vin, les framboises, toutes ces couleurs-là, prune, rouge, c'est vraiment vraiment in en ce moment. C'est la folie furieuse, tout le monde porte les lèvres comme ça. Puis je trouve ça beau parce que ça fait changement. Puis si vous trouvez que ça fait trop avec les yeux, vous pouvez mettre juste un des deux. Là, moi, mes tutoriels, c'est un look que je vous propose, mais sentez-vous libre de le transformer comme vous voulez. Mais je tenais vraiment à faire un look avec une lèvre bordeaux parce que c'est ultra chic. Ça peut donner un air super sophistiqué et non gothique comme certaines ont peur. Donc il faut juste le travailler, je pense, avec un petit peu de blush, puis bien faire son teint, sa coiffure, bon, le reste de l'habillement. Puis ça va juste être chic et non épeurant, trop Halloween. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce maquillage-là vraiment fin novembre, début décembre, parce que c'est un bon look à porter dans le temps des fêtes. Peut-être que vous n'aurez jamais la chance d'aller à un tapis rouge, moi-même je suis pas encore allée, donc c'est le genre de maquillage qu'on peut facilement porter dans un gala ou dans un bal. Vous n'allez pas vous faire regarder croche, les gens vont vous regarder parce que ça ressort beaucoup les traits du visage qu'on maquille, les yeux, les lèvres comme ça, mais inquiétez-vous pas, ça va être des regards positifs. Donc vraiment ce look-là, c'est pour vos soirées chic. Et à qui ce maquillage-là va bien faire? À beaucoup de gens, je vous dirais. Les couleurs que j'ai mis sur les yeux, c'est vraiment le taupe, le argent et le prune. Donc, en théorie, c'est des couleurs qui vont être belles sur toutes les couleurs des yeux, soit bleu, vert, ça va être magnifique. Déjà, là, on le voit un peu, ça ressort beaucoup le vert dans mes yeux. Puis ça va être beau aussi sur les yeux bruns. Donc, tout le monde peut porter ces yeux-là, puis le fait d'étirer aussi, ça donne toujours un petit côté plus sexy. Donc, si vous avez des yeux ronds, ben, vous allez pouvoir tricher un petit peu aujourd'hui. Puis la lèvre bordeaux aussi, ça peut aller à tout le monde, teint clair, teint foncé, sans problème. Seule chose, si vous avez les dents un peu jaunes, ça risque de faire ressortir cette couleur-là, donc peut-être vous allez devoir vous acheter des petites bandes blanchissantes avant le temps des fêtes si vous voulez rocker la bouche bordeaux. Alors si le look vous plaît, je vous invite à regarder la vidéo, ça commence tout de suite. Ok, donc grâce à la magie du cinéma, j'ai déjà fait un œil pour sauver du temps, donc on va faire le deuxième ensemble. Avant d'appliquer mes ombres à paupières, je vais juste mettre une petite base sur mes yeux. C'est actuellement ma base pour les yeux préférée, vous savez, je l'utilise dans toutes mes vidéos. Je trouve que premièrement, elle est belle juste comme ça, puis deuxièmement, elle fait tenir le maquillage super bien. Donc ça, vous allez mettre ça partout sur votre paupière. Là, je la remonte en haut parce qu'on va travailler ici aussi. Donc on va aller commencer par faire le creux en premier aujourd'hui et je l'ai fait un petit peu plus haut que mon creux naturel vraiment pour aller gagner de la hauteur dans la paupière, ouvrir plus les yeux. C'est sûr, si vous avez les sourcils très proches de l'œil, vous ne pourrez pas alors respecter la forme de votre creux. Mais si vous avez des arcades sourcilières qui sont hautes comme les miennes, vous pouvez tricher un peu. Donc au lieu de le faire vraiment dans la ligne, je vais le mettre juste en haut ici. Vous pouvez prendre un pinceau rond ou un pinceau plat touffu comme le mien. Donc, j'ai juste ombragé ici. Je vais l'avancer ici aussi. Juste pour aller vraiment chercher toute la longueur de l'œil. Et on va faire une forme assez étirée vu qu'on veut justement des yeux un petit peu yeux de chat assez longs. Donc, rendu ici, je descends, bon, ici. Et puis, on fait ça quand même assez linéaire. Pour l'instant, si ça a l'air fou, c'est pas grave. Ça va tout s'estomper après à la prochaine étape. C'est juste de ne pas aller dépasser le sourcil, mais de ramener votre ombre le plus proche possible de là. Là, vous allez avoir moins de produit sur le pinceau, donc ça va se faire en douceur. Et je vais descendre aussi mon petit taupe en bas de l'œil. Vraiment pour faire comme un effet un peu smoky. Donc oui, le pinceau est un peu large pour faire ça, mais c'est correct parce que vous voyez que c'est assez diffus.
Et donc là, on va aller estomper. Vous prenez un beau gros pinceau rond comme ça. Et on va juste, dans le fond, repasser sur les contours. Effacer un petit peu les lignes. Partout ici. Moi, j'y vais vraiment comme dans un mouvement comme ça. Il y en a qui font les petits ronds. C'est correct. Faites juste attention de ne pas ramener le foncé partout. Et je vais faire tout de suite mon point de lumière avec cette ombre-là. Maintenant, pour la paupière mobile, il y a plusieurs couleurs qui pourraient aller. Moi, je vais y aller plus dans l'argent. Vous pourriez rester dans le doré, dans le brun. Bon, tout ce qui est neutre, ça va bien s'agencer. Donc, ces couleurs-là, par exemple, je vais prendre un petit peu de celle-là, Verve. Je vais commencer par mon coin interne pour vraiment l'illuminer. Faire des grands yeux. On peut même en descendre un petit peu en bas si vous avez des petits yeux. C'est une bonne façon de l'agrandir. Et sur le reste, je vais juste faire un petit mélange. Prenez la couleur de votre choix. Et je vais venir tapoter ça ici. Et on va terminer en exagérant encore plus notre œil de chat. Donc pour ça, ça nous prend du contraste. On va commencer avec le brun foncé, puis on va terminer avec une petite touche de noir. Avec le brun foncé, je prends un petit pencil brush, un pinceau crayon. Puis j'ai comme tout de suite faire mon angle un peu pour mes yeux de chat. Je vais essayer de faire pareil comme l'autre côté. Donc je vais l'étirer vraiment vers la fin de mon sourcil, à peu près ici. Et une fois que vous avez cette espèce de ligne directrice, on peut remonter dans le creux pour plus d'intensité. Encore là, je vais y aller un petit peu plus haut que mon creux naturel. J'ai beaucoup insisté avec la couleur ici. C'est comme le petit coin magique de l'œil. On va juste s'assurer que c'est bien fondu quand même avec notre taupe. Et donc avec une pointe de noir, je vais venir déposer ça à la fin de mes cils supérieurs. Faire comme un faux eyeliner. Donc faites juste vous assurer que c'est bien mélangé avec le reste. Donc pour les ombres à paupières, ça ressemble à ça. Je vais prendre un crayon prune. Ça c'est bon pour faire ressortir les yeux qui sont verts. Donc on va aller faire comme grossièrement notre ligne d'eyeliner avec ça. Et ce que je veux, c'est tout de suite aller placer mon futur eyeliner liquide. Donc au coin externe. Faites attention, on va faire une pointe. Et tout de suite, je vais venir comme estomper un petit peu cette raie de crayon-là. Parce que je veux ça smoky. Donc on peut l'estomper par en haut. Et je trouve que le mauve ressort pas vraiment, donc si vous voulez repasser avec une petite ombre irisée dans les mêmes tons, on va aller faire la même chose en dessous de l'œil, mais vraiment finement, puis dans le ras de cils. Parce qu'on a le taupe aussi qui est en bas, donc faut pas trop que ça se mélange. Donc là, je sais pas, il y aura juste une étape, c'est le eyeliner liquide pour vraiment les ressortir ces yeux-là. Je vais commencer au milieu. Donc commencez par faire une ligne qui est droite et au coin externe, on va suivre dans le fond la ligne de crayon qu'on a fait. Donc ça c'est un bon guide si vous voulez pas vous tromper. Ici, super fin. Puis on va épaissir entre les deux. Hop. Pour le faire l'œil ouvert, des fois ça va mieux. Donc, pour aller chercher toute la longueur de vos cils et ouvrir votre gorge, on vient recourber nos cils à la base et hop, plus au bout. Je vais mettre un mascara volume. Allez-y, soyez pas gênés avec les cils, là, vous pouvez en mettre assez épais pour faire un look de fou. Idéalement, même des faux cils, c'est jamais trop. Si vous avez des petits yeux, mettez-en un petit peu aussi en bas. Donc maintenant pour les sourcils, je vais aller juste les redéfinir rapidement. Je vais utiliser une ombre à paupières brune comme ça, avec un petit pinceau en biseau. Donc je vais faire vite vite là, pas perdre de temps. Au
Ok, donc j'ai démaquillé ce qui était tombé sous mes yeux. Maintenant, on va aller mettre le fond de teint, en fait procéder au teint. Je vais y aller avec mon Chanel aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une base en dessous, allez-y. C'est sûr, si vous allez pour vrai à un gala, ça serait une bonne idée pour que ça tienne toute la soirée. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Stipple. Prochaine étape, les cernes. Je vais aller chercher quelque chose de très masquant comme ce cache-cerne-là de chez Kett. Je vais le mettre avec mes doigts qui sont propres. J'ai réchauffé un petit peu le produit sur ma main avant. Et je vais venir vraiment tapoter ça ici. Je vais faire attention vu que mes yeux sont maquillés. Et je vais en mettre aussi ici pour enlever ma petite rougeur naturelle. Et venir vraiment comme définir notre œil de chat. Avant d'aller poudrer, ça me tentait de faire quelques lumières sur mon visage, donc avec mon illuminateur qui brille beaucoup de chez Joe Stillfray. Je vais venir en mettre un petit peu sur ma joue, juste sur l'os comme ça, en mouvement ascendant. Ça a un effet rajeunissant sur le visage, puis ça fait plus temps des fêtes. Avec le restant, je vais venir en mettre sur l'arête de mon nez, comme ça. Et en haut du cœur des lèvres, ici. Donc voilà pour tout ce qui était crème. Maintenant, on peut aller poudrer avec une poudre de la même couleur ou transparente. Je ne vais pas trop poudrer. Je veux que ce soit quand même léger et naturel. Peut-être juste plus en mettre comme sur le cache-cerne pour qu'il tienne bien. Donc pour les joues, pour enlever un petit peu du côté sévère du maquillage, on va les faire vraiment rose, naturel, léger. Donc je prends ce blush-là de chez Lancôme avec un petit pinceau rond. On va sourire. Puis on va vraiment aller mettre ça sur la pommette ici et l'adoucir pour qu'on ait l'impression que ça vient de l'intérieur. Plus vous travaillez votre maquillage, plus il se réchauffe, plus il est beau. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de petits tours sur la joue pour que ça soit vraiment bien fondu au reste du maquillage. Pour terminer le teint, je vais mettre un peu de Fix Plus pour fixer mon maquillage. Ok, donc dernière étape, les lèvres. Vous avez plusieurs choix. Moi, j'ai préféré y aller vraiment à quelque chose de foncé pour le côté vraiment glamour, vamp. Sûr, ça fait très maquillé, mais des fois, ça, je trouve que c'est le fun de changer un petit peu des looks naturels. Sinon, si vous ne sentez pas à l'aise de porter ça, ben vous pouvez toujours agencer ça à une bouche nue, comme vous voyez déjà un peu l'effet que ça donne. Donc, vous pouvez terminer juste avec un petit gloss. Puis sinon, ben moi, je vais aller faire une bouche prune pour rappeler aussi un petit peu les tons sur les yeux. Donc je commence par un crayon qui fait assez dur parce que la mine n'arrête pas de casser, mais je l'adore. C'est le Trilling Plum de Dior. Et là, normalement rendu à cette étape-ci, si vous n'avez pas bien fait votre bouche ou comme la mienne est assez dure à faire, je vous dirais parce qu'elle n'est pas très définie naturellement, revenez avec un petit peu de cache-cerne faire du découpage. Pour le rouge à lèvres, vous allez trouver ça drôle, mais j'ai pas la couleur exacte. Donc, je suis obligée de faire un mélange avec cette espèce de framboise-là qui sort plus rose que ce qu'il a l'air. Donc, vous le mélangez avec un petit peu de fard crème noire ou de rouge à lèvres noir et le tour est joué. Juste rajouter une petite goutte. Donc, je le travaille jusqu'à temps que ça ressemble pas mal à la couleur des lèvres ici. Faut vraiment que j'aille acheter un rouge à lèvres de cette couleur-là. En plus, c'est super pratique. Et on va aller recouvrir le crayon. Ok,
donc j'ai terminé pour la bouche. J'étais juste en train de faire quelques petites rectifications parce que j'ai les lèvres en haut surtout qui sont très fines, très droites et assez pointues. Donc pour pas faire trop comme sorcière ou gothique méchant, je suis venue donner juste un petit peu de rondeur à ma lèvre en juste en traçant dans le fond plus rond. Et puis en même temps, c'est sûr, ça donne un peu plus de volume. Donc voilà, je pense que le look est complet comme ça. Pour mes cheveux, en passant, vous allez sûrement me le demander, ce que j'ai fait, c'est juste deux tresses. Je les pars ici, je fais une tresse, puis je les croise et je les fixe avec des bobépines, puis j'ai juste remonté mes cheveux. Et vous crêpez aussi un petit peu le derrière. Donc voilà, c'est pas compliqué du tout. Donc j'espère que le tutoriel a été à votre goût. N'oubliez pas, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez mettre juste la bouche ou juste les yeux. Mais sinon, c'était mon look très chic du temps des fêtes. Vous pouvez toujours compléter avec une petite poudre brillante si vous voulez encore plus de fantaisie. Une belle petite poudre brillante comme ça. Vous pourrez venir comme en rajouter un petit peu sur le haut des pommettes. C'est vraiment le seul temps de l'année que je le permets. Si vous avez un décolleté aussi, vous pouvez venir comme en mettre dans le cou, sur les bras, etc. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver des bonnes occasions de le mettre, surtout dans le temps des fêtes. N'oubliez pas non plus que c'est un maquillage de soirée. Donc là en ce moment j'ai un éclairage de studio, donc c'est super fort. Mais en soirée ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça a été à votre goût. Puis je vous dis à très bientôt pour d'autres maquillages et d'autres coiffures du temps des fêtes. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde!